États-Unis politique joue J-2 pour prestation de serment Joe Biden comme 46e président américain à Kamala Harris comme vice-président. Pendant ce temps, le système sécuritaire a augmenté puis plus aux alentours du bureau fédéral dans Washington DC. États-Unis toujours, Américains ont célébré 3e lundi mois janvier ça, joue leader droit civique américain Martin Luther King Jr. dans le moment pays a fait face à une pandémie coronavirus et à une menace de violence politique. C'est le bilan. Journée mobilisation et réalisé vendredi 15 janvier que ce passé-là, contre pouvoir en place-là, pour eux, c'était un succès populaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est rendez-vous info cap entre la CAO pour premier sorti pour ce maintenant. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous avoir, pour nous présenter au programme ça en langue créole haïtien depuis Washington. Washington qui tête en bas, c'est aussi avec tout le développement que nous attendons dans la radio et dans la télévision. Donc, jeudi, c'est un jour spécial américain à célébrer. Sans tambour ni trompette, 3e lundi, mois janvier, ça joue Martin Luther King Jr. Dans le moment, le pays a fait face à une pandémie qui prend la vie presque 400 000 monde et à une menace de violence politique qui entourait 20 janvier, qui s'est investi 46e président Joe Biden. États-Unis, chaque année, toujours rend hommage à leader droit civique américain pour lutte qui est menée pour l'égalité noyau avec surtout droit pour y voter. Et puis, jour J, moins 2 pour prestation de serment Joe Biden comme 46e président les États-Unis à Kamala Harris comme vice-président. Pendant ce temps, le système sécurité a augmenté puis plus aux alentours du bureau fédéral dans Washington DC. Capitol Hill, local congrès fermé jeudi lundi. Donc Jean-Robert Philippe, t'es descendu sous béton en Alouel. T'es secrétaire de la Voix de l'Amérique, moi c'est Jean-Robert Philippe, qui a salué nous depuis Capitole fédéral américain en Washington DC et qui a présenté nous, qui a bonne idée de situation et sécurité pour jeudi lundi. 18 janvier 2021, nous à 48 heures de cérémonie prestation serment et candidature démocrate à Joe Biden, président élu, qui lui-même a prêté serment le 20, et qui se va mercredi. Donc, nous avons une bonne idée au moins de mes sécurités. Là, quand je me campe dans la troisième week, exactement dans le carrefour, qui entre la voie de l'Amérique avec Independence Avenue. Independence Avenue, c'est un week qui est lié tout Washington qui sortit jusqu'en bas et qui montait et qui passait derrière le Congrès. Congrès derrière dominant là, quand on regarde là, on regarde son muraille qui est là, c'est une sorte de clôture qui est là, côté personne pas capable de bouger parce que pas de machine qui, c'est pas une circulation, excepté une machine officielle seulement qui vient de passer dans la zone de sécurité ça. Zone de sécurité à l'étendue à partir du Congrès que on regarde en fond derrière dominant là. Et ces zones sécuritaires dans le cadre des congrès qui derrière là et les parties de congrès qui c'est indépendance dans coin indépendance avenue les traverser 3e côté on parle avec nous derrière de la voie de l'Amérique là et il y a jusqu'à 14e rue et n'importe que congrès les pratiquement dans zone 15 et 17e et alors la maison blanche donc du nord dans partie du nord au sud. Donc si on pas traverser pas même traverser la rue même pour traverser pour l'autre bord la rue à cause de et clôture et sécurité ça qui ont metté là mon qui vient là pas mon qui vient grand puis mon qui t'a venir chercher pour gens sécurité qui t'a venir là vient garder ça qu'a fait mais personne pas traverser parce que rue a complètement sécurisé et jusqu'à jeudi à là pour qu'on y a là d'après dernière nouvelle média bail jusqu'à pratiquement 15 000 et garde nationale et d'ici mercredi chiffre ça va arriver jusqu'à 25 000 membres garde nationale qui a garanti sécurité et capitole là non seulement capitole là mais tout capitale là qui c'est Washington DC. Donc tout le monde s'est mobilisé et au mandé mais parce qu'on prévoit qu'il y aura une manifestation improvisée mais personne par contre jusqu'à présent est-ce qu'il y aura une manifestation juste une manifestation seulement ou pas mais autorité pas pour aucune chance et pas aucun moyen qu'une manifestation capable manifester ou prêter en dehors barricade. Merci Jean-Robert Philippe qui était dans la rue Washington DC qui t'a banon une idée qui j'en sécurité a et ben sécurité a chaque jour a monté piwo et jusqu'à 20 janvier pendant ce temps gain plot activité tout cap mené premièrement gain sénateur Kamala Harris lui-même comme vice-président élu qui bail démission dans le Sénat
et il était occupé pour ça depuis 2017 pour Californie. Moun qui remplace là, c'est Alex Padilla, qui c'est moun pays Mexique, qui gagne 2 ans pour le combler. Pendant ce temps, inquiétude pour Zach Violence, si au Paris arrivé 20 janvier, oui, inquiétude ça, toujours là. Et d'après Analysio, tout ça voyait une mauvaise image pour les États-Unis à travers le monde. C'est point de vue spécialiste dans les relations internationales, tant que Fernando Estimé, qui trouvait dans Washington DC, pour événement et nous avons parlé avec Fernando Estimé, qui sont spécialistes en relations internationales. En termes d'image, c'est terrible pour les États-Unis. En termes d'image, c'est extrêmement terrible. Je voulais comprendre. Ambassadeur américain qui trouve en Haïti, ambassadeur américain qui trouve en Guinée-Bissau ou bien en Mozambique, là bay des monde leçon chaque fois sous dossier démocratie, là dit pour respecter mandat pour faire transition pacifique pouvoir, pour transmettre pouvoir de manière pacifique, pour d'accord gain alternance politique. Et puis il se trouve que patati patata, bon président qui perd une élection, la Kaili aux États-Unis qu'il présentait comme une grande démocratie et c'est première puissance mondiale là, et même président ça dérefuser d'accord que le perdu pour le transmettre pouvoir pacifiquement par successeur li et bagay là tellement arrivé non niveau qui exagéré dans pour dans procédure certification hein, le 6 janvier gain un groupe moun qui c'est partisan moun qui perdu ya qui envahit parlement pays États-Unis congrès États-Unis et mettait en danger la vie député sénateur et même vice-président pays États-Unis hein, et de fait c'est pas ton bagay qui était anodin gain 5 moun qui perdu la vie. C'est-à-dire non seulement tu as un niveau de violence exagéré dans les choses comme ça. Donc, tu es obligé de courir avec le président, avec le vice-président, avec le sénateur, avec le député et venir joindre. Tu viens joindre des bombes dans la zone. C'est-à-dire dans la zone ONC, dans la zone DNC, tu joins des bombes artisanales. Donc, c'est extrêmement réel. C'est une programmation que tu as faite pour faire gros dégâts dans le processus démocratique. Alors, que c'est justement ça que message diplomate américain à travers le monde toujours fait pour dire mon cher respecter le processus démocratique, permettre pouvoir transmettre pacifiquement. Donc on y a juste imaginé en février ou bien en mars dans le pays, en Afrique, en Amérique latine, ton diplomate américain va parler avec un gouvernement en place avec une opposition pour dire attendez, pas fait tel bagaille. Là juste répondre, tout c'est 6 janvier, il va me dire rien encore non. Diplomate américain qui t'a compris, c'est 6 janvier, elle dit 6 janvier, qui c'est date ça, qui va l'entendre, qui va l'entacher. Histoire pays, il m'a demandé vraiment Donald Trump vraiment passé par ça, il est la petite porte dans l'histoire et vient joindre le premier président américain qui impeach deux fois. Et impeach maintenant, puis gars on y pense parce que son procédure politico juridique, il est son bagage qui répète en pile. C'est seulement 4 fois dans toute histoire pays là depuis 1776 que yo impeach des présidents et c'est 3 présidents seulement yo impeach, c'est-à-dire Trump lui-même yo impeach lui 2 fois. Donc il y a moitié dans impeachment. Donc monsieur probablement va le passer pour ça Aurélie, le pire président dans toute histoire pays États-Unis et vient joindre même après ça l'style pas jamais utiliser grâce, utiliser abnégation, utiliser au moins pour le d'affronter mettre de l'eau dans divin moun yo. Au contraire, c'est système nan qui obligé à tequiliser monsieur, c'est vice-président qui obligé à dire mon chef, on ne peut pas me dire ça, on fait quelques bagailles, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Snapchat qui a banni un président américain, Twitter banni à vie, ça dit c'est une humiliation suprême, président même allié naturel de Fox News, pas transmettre tout message, il a utilisé des forats, d'autres forums qui ont des gens extrêmement conservateurs, extrêmement à droite, et viennent joindre Kounia. Pour le prochain président qui va venir, qui va gérer une multitude de crises, notamment une crise sanitaire et une crise économique que nous pas dit qui gagne ici aux États-Unis. Permettez que je fasse un petit camp pour là, mais vous parlez de gestion que le nouveau président va le faire. Mais qui est-ce que le nouveau président, en parlant de président Joe Biden qui va le prêter seulement le 20, est-ce qu'il t'a doué qu'on y a fait ajustement dans la relation des États-Unis avec les autres par rapport à ce qui s'est passé? Alors, le premier ajustement, le fait que Donald Trump, c'est le président, Joe Biden va le nouveau président, Joe Biden est tout ce que Donald Trump n'est pas. C'est vraiment ça. C'est un monde totalement différent. Joe Biden, son monde que c'est le mainstream, c'est-à-dire son monde que mon habitué dit la ville, monde qu'on aime, c'est-à-dire monde qu'on aime qui ça le représente. Donald Trump, c'est ça, un coup de colère. C'est-à-dire son air de la question démocrate et républicain.
plus qu'une question de démocratie, il y a des démocraties, des républicains, George Bush, ou qu'on aime, ou qu'on s'en représente, Dick Cheney, Ligue des Valeurs, ou qu'on qui va le représenter. Mais Donald Trump, son tweet l'a plagué, son soplot, il a gagné la conduite, ça m'a dit, tu n'es qu'au nous avons, on m'a privé sous. C'est une diplomatie et à coup de sang pratiquement que Donald Trump t'a fait. Eh bien, Joe Biden, le fait que le compte mounio déjà, tout, parce que Joe Biden, son ancien, son vétéran, son ex qui fait plus que 30 ans à Washington comme sénateur, son ex qui fait 8 ans vice-président Obama, il est habitué avec acteur déjà. Acteur habitué, dit la ville. Il était connu Angela Merkel toujours président. Donc, il y a des gens qui le connaissent. Nucléaire iranien, programme ça le connaît, déjà c'est vice-président, il est là pour négocier. Accord de Paris, en 2015, nous étions dans la conférence là. En 2015, les Américains ont participé en grande pompe dans la conférence là. Même les Américains sont très très chauds dans l'imitation. Mais Obama a été poil dans la balance là. Et puis, nous rejoignons un accord à plus pas oublier 193 pays. Et c'est deux pays seulement qui ont une objection. Et c'est les États-Unis qui représentaient le plus gros poids parce que les États-Unis, c'est lui-même qui pollue plus sous la terre. Donc Obama mettait Biden en musique, puis au fond, accord de Paris dans le cadre COP 21. Et bien, les trois Trump dit qu'il Trump dit qu'il va dans la parole COP 21. Accord sur le nucléaire iranien, ça roule JCPOA, qui c'est Joint Agreement, ça qui était joint avec ça roule P5 plus 1, ça dit 5 puissance plus 1, qui tape limité production, enrichissement uranium que pays Iran, République islamique d'Iran a fait. J'en ai pas parlé, il dit qu'il mais lorsqu'il dit là, il y a des conséquences. Parce que ce qui était comme vide là, il y a l'autre monde qui a pris place là. C'est-à-dire, le fait que Joe Biden représente ce que Donald Trump n'est pas, il y a un changement en Amérique latine, c'est pas des qui ont fait signer la croix et ont dit, monsieur Trump, allez me bien sauver. Parce que ça qui passe, à la limite, on n'est pas d'accord avec Biden, on n'est pas d'accord avec Obama. Bon, mais on connaît qui ça au stade, on connaît pour qui ça a parlé. Alors qu'avec Trump, on va même qu'on est sous en mine, soit sauvé avec elle, parce qu'on ne sait pas qui ça le pensait réellement. Je dis, quelqu'un doit venir avec un bagage dans le monde, demain, il vient avec un bagage dans le monde. Lorsque avec Bush, ou des cas de mon cher, c'était des idéologues, Wolfowitz, Dick Cheney, mon compte ça a pensé à l'avance. Ou qu'on qui position yo. Donc, leur position, on n'a qu'à dire la veille. Mais avec Trump, c'était le coup d'éclat permanent. C'était la surprise permanente. Et allié Trump, yo tout, prend pile, petit calotte dans mes Trump tout. On n'humilie pas le Canada, ou pas attaquer les pays européens comme ça. Absolument. Le Canada qui toujours supporte les États-Unis, n'importe quoi, les États-Unis, c'est pas sous Canada pour imiter embargo. Évidemment. Je ne fais là tout, il y a des résultats, notamment dans ce qui concerne le commerce là, puisque il y a un nouvel accord qu'on y a entre États-Unis, Mexique et Canada. Mm-hmm. Mais la méthode pose cavalier. Problème. La méthode est cavalière, la méthode est brutale. Nous avons parlé avec le professeur Fernando Estimé, qui sont spécialistes en relations internationales et dans Washington DC. Donc, il est trouvé dans Washington DC pour événement ça, côté que l'a couvril pour chose ça qui pote non nan, Fernando live. Ou sous la voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC, ou à suivre. Rendez-vous, info, yon coup de pied dans l'actualité dans le pays d'Haïti, dans un petit moment. Merci d'être choisi la voix de l'Amérique pour informer vous après-midi. A pas oublier, nous avons deux programmes encore qui passaient 7h30 à 12h30. Actualité dans le pays d'Haïti, yon branche opposition politique l'a dressé bilan journée, mobilisation a été réalisée vendredi 15 janvier qui se passait là contre pouvoir en place. Pour yon, c'est un succès populaire. C'est porte-parole comité mobilisation citoyenne pour faire respecter constitution pays à maître André Michel qui présentait bilan manifestation 15 janvier 2021 passé à. Yon journée manifestation réussie selon leader opposition yo. Citoyens ont participé massivement dans et manifestation ça. Nous avons appris articles des agences de presse internationales, notamment EFE et notamment l'autre agence, qui rapportaient les faits à travers le pays. C'est un succès populaire. Les militants ont fait preuve de discipline, ont fait preuve de leadership et population ont participé. Et cela prouve qu'il y a une dynamique de mobilisation extraordinaire qui est enclenchée dans ce pays. Et cela prouve que le peuple haïtien va se battre avec énergie, avec force et détermination pour faire respecter l'article 134-2 de la Constitution qui précise sans aucune possibilité de confusion que le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse prendra fin indiscutablement le 7 février 2021. C'était occasion tout pour avocat opposition annoncer une autre journée manifestation soit mercredi 20 janvier qui va venir là toujours dans cadre série mobilisation qui lancé pour demander chef l'État respecter article 134-2 dans constitution maman loi pays. 20 janvier 2021 direction devant ambassade américaine côté nous pour parler avec Joe Biden qui va prendre pouvoir pour nous dire américain pas gain droit
continuer à supporter un bande corrompu qui est sous pouvoir en Haïti, d'autant plus que le mandat est fini. La mobilisation est permanente et pas rien qui a cassé la mobilisation du peuple. Peuple tape pour main, Si l'opposition décide de camper en face devant le pouvoir, semble le président de la République Soubopal a continué à faire effort pour réaliser quelques projets dans la promesse Lio. Selon ça, un pile monde constaté après j'ai fait qu'a fait pour arriver mettre courant 24 sur 24 pas dans quelques villes en dans pays là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour la Voix d'Amérique. Merci Massiado Vilmé, on apprête toujours dans Port-au-Prince, policier SPNH 17 yo accompagné à quelques membres population haïtienne et foulé béton. Il y a dimanche 17 janvier 2021 pour demander meilleures conditions de travail ak, non à kidnapping. Yo reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Ça, c'est manifestation SPNH 17 ans qui était démarré dimanche 17 janvier 2021 dans le Carrefour Aéroport sous Delma, parcouru autoroute Delma, Delma 33, traversé Carrefour Gérald Bataille pour Talbout devant IGPNH là, mais il n'y a pas arrivé à destination puisque la police crasait manif là à gaz lacrymogène zone Clessine. Pendant tout parcours, policiers syndiqués qui étaient accompagnés quelques grains de monde dans la population ont boulé en pile caoutchouc. Manifestants ont dit il y a bataille jusqu'à ce que l'autorité prenne décision appropriée pour résoudre phénomène kidnapping nan, et puis permettre que tout policier, y compris personnel, bénéficie de meilleures conditions de travail. Ancienne coordonnatrice générale structure syndicale ça, Yannick Joseph, nous songe ça, qui était démissionné dans la police, hein, Devin Baïba, cop, dans la manifestation ça. Je ne jure qu'à nous comprendre une politique publique de sécurité que l'État a gagné pour nous. Politique de sécurité, politique publique de sécurité. Au commandement, ensemble avec toute la voix et tout le gouvernement qui est pour nous, hein, c'est masculin le peuple là, qui dégage aux journalistes, pas de journalistes, maltraité des policiers. Pour ne pas casser les gens qui réservent pour nous. Je n'ai jamais nous venir pour réformer la police. Et la fête quand même. Nous faisons maintenant parce que nous avons payé. Banco de Pal, coordonnateur général SPNH 17 ans, Jean Hilder, lundi, croit que l'autorité compétente doit assumer la responsabilité par rapport à ce besoin policier. Il n'y a pas rien qui fait. Parce que pour les murs là, même les sous à moi, c'est même continuité à sous Léon Charles. On a manifesté contre l'insécurité parce que c'est ça l'ironie du thème. C'est que nous-mêmes policiers, nous pas en sécurité, ils ont kidnappé nous, ils ont tué nous, tout le problème est là. C'est-à-dire que la présence dans la rue là, je dis là, fort population qui a une population qui accompagne nous, merci. Mais l'important pour nous pour la rue, parce que le problème est là, tout problème est là. La Après match syndical à Boulisla, dimanche 17 janvier 2021, Alberson Gouneg dit lui remettre démission comme porte-parole. Structure syndicale ça, le fait que, d'après ça le dit, policiers haïtiens ont refusé de comprendre des matchs syndicats abménés. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Dans notre nouvelle, toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, responsable brigade syndicat anticorruption BESAC a lancé un mot d'ordre grève pour lundi 25 janvier Kavinla. Dans une conférence pour la presse, Jodia, porte-parole structure, Sanson Dumé, gain détail sous mot d'ordre de grève. BESAC ensemble avec plusieurs autres syndicats transport, Tanko, RSMTH, ANAC, CTPH, CSTH, SCPH, SCPF et Latrier. Nous décidons de lancer une journée grève générale avertissement pour lundi 25 janvier sur tout le pays pour nous protester contre kidnapping et insécurité généralisée dans le pays et contre
contre intention président Jovenel Guéen pour le temps prolonger mandat constitutionnel li cap bout 7 février 2021. En plus, journée grève générale ça qu'a fait non seulement contre insécurité et pour respect constitution mais tout pour l'état reprendre contrôle importation gaz là dans le secteur privé partisan yoa et contre la vie chère à grand goût dans pays. Dans sens ça, n'a demandé tout secteur dans vie nationale là pote coller tant pour patron travailleurs et travailleuses, ouvriers ouvrières, chauffeurs transport public ou privé, société civile, chômeurs, ti marchand, professionnels, élèves, chauffeurs moto, professeurs, étudiants et latriers. Tout le monde en général observé une grève avertissement ça contre mauvaise gouvernance autorité l'État. C'était Samson Dumé, porte-parole brigade syndicat anti-corruption BESA qui lançait mot d'ordre de grève ça pour lundi 25 janvier Kavina. Dans l'autre nouvelle, Edriss Fortuné, son journaliste reporter, Image Bleue et Rouge Production, les dit les victimes, il était victime agression policière pendant manifestation et une branche opposition tape réalisé vendredi qui saute passé la journaliste là à répondre question correspondant nous n'importe quoi Prince Machado Velme. Suite à une arrestation bon militant et dans Kafou Difou, moi-même, je suis sous place dans le commissariat de Port-au-Prince pour me prendre des photos, c'est un reportage photo que je fais. Et puis pendant nous, il y a des policiers, depuis qu'ils sont rentrés, ils ont indexé nous, ils ont même indexé, mais ils ont dit que c'est un militant, militant journaliste. Et puis, il semblait recevoir l'autre pour qu'un monde pas être dedans. Et puis y aller yo tomber pour ces mounyo yo pousser avocat et puis pendant pousser avocat yo mais gen un policier qui allait là il prend un petit spray dans machine ni dans backup là et puis pendant le vini il commencer flitter bas sur mounyo et puis moi même m'aller caméra pour me faire photo et ça et puis monsieur viré et puis il flitter spray là dans yeux et puis il flitter dans même avec dans yeux. Et je ne viens pas travailler encore. Bon, même caméra, son l'autre journaliste et son l'autre confrère journaliste qui gagne dans mail. Je ne même pas qui côté lié. C'est un confrère qui mette sous moto, qui mette de l'eau, qui mette coca, et puis qui permet moins et jouer un autre confrère dans Chanzy maintenant, et puis qui vient mener dans Bernameuse, et côté diagnostiqué, et je a que faut moi un ophtalmologue parce que les produits sont produits nocifs. Qui en dedans et bah là il fait effet sur jeu. Bon ça passe c'est une agression et bon son bavure et son bavure lié et son bavure tout qui montre que comment République là en danger, comment République là en danger parce qu'un journaliste qui a fait travail lui et me toujours dit que un journaliste conscient son sentinelle lié pour peuple là. Si bon policier soit identifié ou bien identifié quelque autre confrère qui a un regard critique par rapport à la situation pays, ça veut dire bon quand même nous une dictature parce que caméra bon son âme liée son âme qui là pour dénoncer injustice dans la société, c'est pour ça bon penser policier li indexe li vise directement li flitter produit en régime. C'était Edriss Fortuné, qui est journaliste reporter Image Bleue et Rouge Production, qui te répond à une question correspondante dans Port-au-Prince. Machado Velme, sous la voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC, on va suivre Rendez-vous Info. Nous pratiquement arrivés dans fin programme, nous presque arrivés dans fin programme là et nous pourrons retourner dans le plus gros point de l'actualité dans le monde et bien que nous t'a signalé que dans le pays Indonésie d'après dernier chiffre il y a 84 personnes qui mouri dans tremblement de terre qui était fait. Nous avons souligné Jean-Aubert Philippe lui-même qui était descend dans la rue à Jodia qui t'a regardé ça que t'a fait et Jean-Aubert Philippe et, qu'on y a situation tout yeux braqués ces jours J moins 2 en pile sécurité dans Washington DC même nous-mêmes nous gain difficulté pour nous arriver dans la voie de l'Amérique et dis-nous non qui dernier développement qu'on t'a cassé aller pour rendez-vous info pour amis téléspectateurs nous.
Alors, Jacques, pour nous faire et tes spectateurs nous comprendre, et moi, là, côté qui est entre Capitole, là, avec la Maison Blanche, grand esplanade, ça, eh bien, bon, c'est là, d'habitude, chaque 4 ans, peuple américain toujours réuni pour venir assister à cérémonie de prestation, seulement nouveau président américain. Mais, année ça, ça va exister parce que les autorités, les forces de l'ordre, particulièrement les services secrets, mais ils n'ont pas contrôlé ça, ils n'ont pas traversé du tout. Et par coup, ça va être monde qui est capable là-dedans du tout, excepté sous mon permission et spéciale. Maintenant, dit que l'état d'alerte, là, tout qui normalement connaît Washington dans l'état de siège, eh bien, il est décrété à travers tout le pays, à tout le parlement, dans tout l'état, tout en état d'alerte, tout, parce que selon l'autorité FBI, il fait connaître que gain type que je ne mets encore information que je viens sur réseaux sociaux qui t'a montré que il y a des groupes qui se sont préparés pour manifester et manifestation ça semble pas passer si des manifestations armées ça fait donc ils ont demandé pour prendre des précautions pour éviter ça fait en parlant de par exemple de vice président américain après rappelons que et bien lui-même l'a pris pour le pétissement c'est juge Sotomayor lui-même Kamala Harris par vice-président par président devant et jusqu'au suprême Sotomayor et puis n'a dit que demain tout Sénat américain il a prévenu parce qu'il a pris qu'il était en vacances mais demain il a prévenu et peut-être 24 heures qu'il a dit avant même ces manifestations seulement et président élu à Joe Biden donc Washington en sous-pied non pas dit sous-pied de guerre non mais au pas aucun côté qu'il a bien Washington sont pas une 3-4 nègres qui a mis et qui a veillé villa. Donc tout le monde qui est dedans, périmètre sécurité à qui est en de l'est à l'ouest et du nord au sud par rapport avec Capitole là et la Maison Blanche. Et bien toutes zones sont en zone sécurisée, je dis à la Jacques. Oui, t'as comme on est capable là, il y a un barbelé que vous mettez, il y a un gros et ça a les fences ou bien barrage que vous mettez pour empêcher la circulation. Donc c'est côté que t'as coulé là, nous d'accord, nous d'accord, je dis football, nous d'accord, fait deux camps dans la rue, tellement pas gain machine, non seulement pas gain machine, mais pas gain circulation totalement. C'est seulement officiel. C'est nous rappelons que vous avez mentionné dans la convention d'émission, le congrès a été fermé par mettre un du fait pendant la zone. Oui. Et bien d'après directeur AI et police et congrès, et bien, il dit c'est pas mesure de précaution qui a été fermé congrès, mais il t'a semblé que du fait à côté le prend, il pas représente un danger pour édifice et congrès. Oui, c'est un petit peu côté qu'on installé et leur monde mourir gros autobreyo, c'est dans zone ça du feu après mais et il s'est semblé qu'il y a plus de peur et que de mal Jean-Robert Philippe et puis gain l'autre bagaille qu'a fait toujours et m'était annoncé dans commencement programme là que Kamala Harris bail démissionne comme sénateur parce qu'il pourrait l'occuper. Alors, dans une déclaration qu'il fait sous question ça, Jacqueline, il dit que l'Ibaï démission, mais c'est parce qu'il prend le chef et il prend le chef pour les deux. C'est seul vice-président américain qui à la fois et dans le pouvoir exécutif là et encore, il compie encore dans le pouvoir législatif là. Donc, il n'a pas prêté serment sous deux bibles. Et une dans bibles, c'est Thurgood Marshall, qui est le premier noir américain qui était nommé comme membre du Cour suprême des États-Unis. Donc, il n'a pas prêté serment sous bibles, ça, que Thurgood Marshall était prêté serment sous bibles. Donc, il faut comprendre que Kamala Harris prend le vice-président des États-Unis et il prend le président Sénat. Parce que c'est comme ça que le fait, même Jean-Mike Pence, tu es président du Sénat, eh bien, il va le président du Sénat. Donc, il faut nous comprendre tout que les républicains ont pris le leader majorité dans le Sénat et ont pris le président du Sénat, parce que c'est Kamala Harris qui prend le président. Et comme il prend 50-50 tout, il a gagné pour lui départager. Jean-Aubert Philippe, merci. Et c'est là que nous avons fait notre programme aujourd'hui. C'est ton plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Moi, c'est Jacqueline Belizère qui a cassé rendez-vous avec nous demain sur la Voix de l'Amérique pour Rendez-vous Info. Merci un peu.